Allô? Ouais, Vito, on a un problème là. Prends un flingue et rejoins-moi au bar. Et surtout, viens avec une caisse en parfait état de marche. D'accord. Je pars tout de suite. Tant pis pour ma grâce, Matt. Ouvrez, police! Bon, bonjour, on sait que vous êtes là. Ce ne sont pas vos affaires. Circulez. C'est la police! Ouvrez! Salut, Eddie. Ah, Vito. Justement, je vais te présenter quelqu'un. Vito, voici Carlo Falcone. C'est un grand plaisir, Monsieur Falcone. Vito? Dis-moi, Vito, qu'est-ce que tu penses de Luca Gurino et d'Alberto Clemente? Bah, franchement, Monsieur Falcone, de mon point de vue, ces connards ont voulu me voler 5 plaques et je me suis retrouvé en taule par leur faute. C'est bien. Parce qu'on dirait bien que ces deux trous du cul complotent contre nous. Alors, on dirait qu'il vaut mieux qu'on bouge avant qu'eux bougent en premier. Eddie va tout expliquer. Je sais que tu me décevras pas. Au revoir, Monsieur Falcone. À très bientôt, Vito. Alors, c'est quoi le topo? Une voiture avec 3 de nos gars a disparu hier soir. Et il y a une rumeur comme quoi Lucas serait mêlé à tout ça. C'est qui les 3? Harvey Beans et les 2 gars qui étaient chargés de sa protection. Tony Ball, c'est Frankie l'Irlandais. Mmh. Ouais. Beans, c'est le comptable de Carlo. S'il l'ouvre, on est baisé. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu vas l'attendre en face de chez Freddy, et puis tu vas le suivre pour savoir s'il est impliqué ou pas. Et puis? Si tu découvres qu'il y a vraiment participé, tu le descends, ce connard. Et s'il y a des gars à nous encore en vie, tâche de les libérer. Il faut que tu les trouves avant qu'ils aient craché tout ce qu'ils savent sur nos opérations. Tu crois qu'il ira où? Ça, j'en ai aucune idée. Mais va te préparer, il te faut une caisse rapide et une grosse puissance de feu. D'accord, je m'en charge. Ok, reviens ici quand c'est fait. Et Vito, tu parles de ça à personne. Pigé. Bonjour, soyez le bienvenu. Arrivederci. Oh,
the world and all of its gold. Caisse de Luca. Luca, où tu te caches, mon salaud? Te voilà. Ok, c'est parti. Il risque de me voir. Il faudrait surtout pas qu'il me repère. Eddie avait peut-être raison. Ok, il faut que j'entre sans me faire repérer. Ils hurlent tous ces gars. On peut pas les secouer, on peut pas les... Excusez-moi. Oui, je peux vous aider? Est-ce que vous savez comment entrer dans cet abattoir, là? Et pourquoi vous voulez tant y entrer? Mon chien a réussi à entrer. Je veux le retrouver. Ah ouais, votre chien. Ouais. Vous savez comment entrer ou pas? Ouais, c'est ça. Je vois que vous mentez très mal. Mais bon, admettons. Alors, à moins que votre chien ait les clés, il est forcément passé par les égouts. Les égouts, hein? Ah, merci. Je les entends crier. Je dois pouvoir les écarter. Merde, ça schlingue! On peut les briser, on peut pas les prendre! Pourquoi? Juste passer pour prendre ses steaks, je fais un malheur.
va la fermer, sale plebs. Quoi, t'as senti quelqu'un? Tu vois pas qu'il y a personne? Alors ferme-la ou on te fout en conserve. Qu'il est con, ce chien. Merde, c'est eux. Là, je te tiens, sale enfoiré. L'impression que Tony soit plus lui-même. Avec lui. Tu vas pas rester là toute la journée, hein? Il y a du boulot qui t'attend. Ça va, je fais une clope, calmos. Ouais, on me l'a déjà faite, celle-là. À démissionner? Hé, hey, qui c'est qui a hurlé? Ouais, sans doute le mois prochain. Et alors? Non, c'est pas. Par on aurait dit. Bah, je me disais que peut-être, tu vois, oreilles, faire acteur de tout là. D'accord. Ouais, moi. Tu voudras être un petit nouveau, quoi. Si tu as fermé. Deux, la journée est finie. Comment ça, la journée est finie? T'as de la merde dans les oreilles? Rentre chez toi. Mais j'ai fait que la moitié du boulot. M'oblige pas à me répéter. La journée est finie. Tu dégages. D'accord, d'accord. Allez, viens, on se casse. J'arrive! Vous croyez que je suis pas au courant pour la gamme? Je sais où t'as trouvé la thune. Falcon et croit tenir une combine juteuse, et ça va pas se passer comme ça. Dis-moi, comment tu l'as fait entrer dans le pays? Je sais pas, je vous jure! Je suis qu'un comptable! Tu te fous de ma gueule, tête de nœud? Tu veux crever comme ton pote là à côté? Vas-y, regarde un peu! Tu crois que t'en as plus que lui? Quand j'en aurai fini avec toi? On va te broyer dans une de ces machines, tu vois. Donc, la seule question, c'est... Est-ce que je vais être assez sympa pour te buter avant? Hé, hey, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Y a quelqu'un dans l'air. Mais qui c'est encore, celui-là? Ah, c'est super chiotard, le défenseur de l'étron et de la fosse à purin. Ferme ta gueule, Luca. Hé, hey, je te connais. C'est toi le connard toujours fourré avec cette tête de nœud de Barbaro. Je savais pas que t'étais sorti de tôle. Mais où tu te crois pour me parler comme ça? Falconet m'envoie. Il aime pas trop qu'un petit fils de pute comme toi fasse du steak haché avec ses hommes. Alors, t'es avec Falconet, hein? Ben, je vais te dire. Si tu savais dans quoi t'as mis les pieds, tu supplierais pour qu'on te renvoie en tôle. Mais de toute façon, c'est trop tard. Oh!
coup, ça doit faire mal. Il encaisse drôlement bien, lui, hein? Mais il va pas s'en tirer comme ça. Les gars, liquidez-moi ce connard. Tiens, prends ça. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Merci Vito, tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque trois gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais ne m'oubliez pas. Les gars. Il est armé! Butez-le! Couvre-moi. Je bouge. Vous allez me... Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Faites-moi descendre. C'est lui qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque trois gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais ne m'oubliez pas. Pas mal, je crève, connard. Allez, Vito, on va se faire cet enfoiré. Il pissera dans son froc avant que je le finisse. Ouais, presque. Il en reste un. Non. Les voilà. Enfoiré, je te vois. Montrez-vous, enfoiré. Couvre-moi, je bouge. Super, Vito. Envoie tout ce que t'as. Hey, Vito, on bouge. Il n'en reste plus qu'un. Allez, Vito, super. Bien joué. Mais faut pas oublier l'autre enfoiré. Bonne idée, ouais. Doc. Avant qu'il rappelle d'autres gorilles. Allez, couvre-moi, ma biche. Il faut un truc bien lourd. Un truc qui fasse bélier. J'ai trouvé. On n'a qu'à prendre ce chariot. C'est quoi ton problème, pauvre connard? Ce gros malin. Tu te crois si malin que ça, hein? Eh ben vas-y, essaie! Blah!
grand effort. J'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote Luca. Ça te branche? J'avoue que c'est tentant, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas voir du sang, hein? Non, c'est Luca que j'aime pas voir. Je comprends. Mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bâton à bestiaux qu'il voulait tester sur nous. Ouais. Ellie voulait que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. Je pue comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddie que Luca nous fera plus jamais chier. Hé, hey, Beans! Ouvre, c'est moi! Tout est fini! Vous? Vous êtes en vie? Ouais! Qu'est-ce que tu croyais? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la belle au bois dormant? Ah oui? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Une caisse ou quoi? Vito! Oh merde! T'aurais pu prendre un putain de bain avant de venir! C'est toi qui m'as dit de passer dès que j'aurais fini. Tu crois que ça m'amuse? Ok, ok, ok. Et alors, pour Lucas? C'est fait. D'accord. Et alors, nos trois gars, tu les as? Ouais. Lucas les retenait à l'abattoir. Francky est mort. Mais Balls et Beans vont bien. Lucas les... Il les interrogeait quand je suis arrivé. Et il y a des témoins? À part la dizaine d'hommes de main de Luca qui était... Non, attends, lui, personne. T'approche pas, ok? J'en ai chié, Eddie. Ça, je le sens d'ici que t'en as chié. Mais bon, t'as réussi à t'en sortir en un seul morceau, pas vrai? Alors va te laver avant de couper l'appétit à tout le monde. Et brûle-moi toutes les fringues que tu portes. Oh la vache! À bientôt, j'espère. We'll be right back.
Soyez bref, monsieur. Vous sentez le... La meilleure qualité, si vous avez les moyens. Il vous fallait autre chose, monsieur? J'espère que vous êtes satisfait. Hé, demi-tour, soldat! Tiens, Vito, te voilà. Salut, Eddie. Hey, pas trop tôt. Merci. Bon, on fait quoi, les gars? C'est pourquoi les costards? Vito, Monsieur Falcone a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir. Toi et moi. Tu te rends compte? Arrête! C'est vrai? Ouais. Vraiment? Vous auriez pu me prévenir? Comment ça se passe? Tu vas voir. D'abord, il y a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Léo, ça alors? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, petit... Tenez à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. D'accord, bien sûr. Mais avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là, je vais respecter ma deuxième promesse. La deuxième? Ouais. Je devais être commandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai? Eh ben, je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous? Mais vous êtes avec Frank Vinci? Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille. Mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Frank et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas, j'ai fait en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci, Léo. Je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien, alors. Et ne dis rien à personne, d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne, ici, plutôt. Ouais. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait? Non, rien, juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette? Allez, ça suffit comme ça, hein. Venez. Putain, vous avez 5 ans d'âge mental. Bon, on y est. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit, ok? Joe, vas-y, entre. Hé, hey. Bonne chance. Allez, à toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scaletta. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille, ton dieu ou ton pays. Si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi quel doigt appuiera sur la gâchette. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société... Si je devais trahir le secret de notre société... Que mon âme se consume, tout comme ce saint.
Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Amico nostro. Monsieur, voici notre nouvel ami, Vito Scaletta. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités particulièrement, Don Frank Vinci et son concilier... Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque 7 ans en cabane? C'est que là où j'ai grandi. Si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par Heidi. Tu veux ajouter quelque chose, Frank? Personne, vous m'entendez, messieurs? Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Alors, mais après des années à faire le sale boulot pour les autres, risques. Les prêts, je voulais bien prendre des risques pour paris, devenir quelqu'un. Let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll.